pensais que Mme Lévesque finirait jamais par s'endormir. Elle va remousser toute la nuit, comme d'habitude. Et comme somnambule. Ouais, j'ai cru m'apercevoir de ça. C'est comme rien, ça doit vous empêcher de dormir, vous aussi. C'est pas les tribulations nocturnes de Mme Lévesque qui me dérangent le plus. Moi, j'ai toujours dormi comme une bûche. Je m'étends 30 secondes après. Oubliez-moi, je suis plus là pour faire ça. Si je viraille, c'est juste dans mes rêves. Hey, vous devriez donner votre recette à Mme Lévesque. Marie-Vie de Torp et moi, on s'en plaiderait pas. Excusez-moi. Sa vie du corps est trop dure. Un matin, on peut remettre ça à un autre tantôt, notre voyage chez Bature de Kamouraska. Oh, tant que j'aurais pas vu d'Arfan des Neiges, pas question que j'abandonne. En écoutant une nouvelle à la radio tantôt, j'ai pas entendu rien de bon sur la température. Ça se pourrait qu'on se prépare à un autre voyage. Mais... Vous aimeriez mieux qu'on y aille pas matin, c'est ça? Non, je suis habitué de courir ma galipote en un braguet dedans. Mais peut-être que vous avez pas les mêmes idées que moi là-dessus. Moi, je suis juste contente de vous accompagner. Si jamais c'est trop mauvais pour se rendre ces battures de Kamouraska, on n'aura qu'à revirer de bord. Ben, si c'est comme ça, on peut partir quand vous voudrez. Oh, j'écris un petit mot à Marie-Victor, parce que je voudrais pas qu'il s'inquiète quand il va se réveiller. Okay. C'est beau, un couple qui s'aime vraiment. Je sais pas ce que je donnerais, moi, pour avoir vécu ça dans ma vie. Il est pas trop tard. Pour le bonheur, il est jamais trop tard. Ben, depuis que je suis dedans, c'est un peu ce que je vis. Non, mais si je laisse pas écrire, on est tous bien d'oublier leur femme pour aujourd'hui. C'est pas question. Dans une minute, tu fais une prête. L'impatience est toujours mauvaise conseillère. Pourquoi risquer de détricoter ce qui est si bien tissé? Au moins une heure que je t'attends chez Charlot. Ouais. Pour tes vidanges, je t'aurais pu demander à Gabriel s'en occuper hier soir. Que c'est que t'as encore à bougonner? À matin, on devait préparer notre meeting qu'on va avoir avec la presse régionale. Faudra au moins savoir ce qu'on va y dire. Par rapport à quoi? Le sondage publié dans Info Dimanche en fin de semaine nous donne pas le corps des votes dans le comté. Il y a deux mois, on était sous la barre du 10 %. Hein? On est donc pas aussi mal placé que tu le prétends. Tout ce qu'on a à faire pour réussir, c'est de continuer notre travail de sape. Ouais, je suis d'accord. Sauf qu'il faudra au moins que ça se fasse comme du monde. Même le quartier général du parti a de l'air de tout, sauf d'un quartier général. Si vous voulez qu'on fasse affaire avec les entreprises de la région, c'est donc pas ma faute à moi s'il a fallu recommencer l'impression et des affiches et des grandes photos. Ça va arriver quand, ça? On m'a promis qu'on aurait tout le matériel aujourd'hui. Dès que c'est livré au quartier général, le Couac et Eugénie vont s'en occuper. D'ici quelques jours... Tout le comté va se retrouver placardé mur à mur. Mais si j'étais toi, je m'occuperais davantage de mon propre emploi du temps. Si c'est une allusion, là, pas que la pantoute. Mon petit doigt me dit que tu te retrouves pas mal souvent à sa réserve de Whitworth puis à la maison de Kakuna. Est-ce que tu serais aussi disposé à leur égard s'il n'y avait pas ça à mettre ta main? Qu'est-ce que tu t'imagines encore? Plutôt que de me niaiser de même, là... Viens t'en chez Charlot. Comme ça, on perdra pas notre journée à placoter sur des affaires qui n'ont pas d'allure. Pas d'allure. C'est encore quelque chose qui reste à voir. En espérant que ça vienne après la campagne électorale. Pas pendant. Grâce à l'apaisanteur, les chercheurs peuvent étudier les phénomènes en l'absence de gravité. Comment croît un cristal? Comment se produit une réaction chimique ou comment une araignée tisse sa toile? Ah ben, dans l'espace, une veine liquide dans un autre liquide se développe horizontalement. Tu sais que tu marmonnes tout de même, là?
J'essaye juste de mettre un peu d'espace entre la terre puis moi. Mais mon point de vue, c'est que j'ai les neurones trop vieillissantes pour m'élever tant soit peu dans les airs. T'es certain qu'il y a seulement la compréhension de l'espace qui te préoccupe? Ce sera pas plutôt le fait que Ma s'absente de plus en plus souvent de la maison? Essaye pas de me tirer les vers du nez. Tu perds ta peine. Pourquoi on n'en parlerait pas? Je le sais que ça te tracasse. Il n'y a rien à ramener dans ma cheminée. Dresse-toi donc à Léonie. Pour ça, faudrait que je puisse la voir autrement qu'entre deux portes. Comme j'ai le même problème que toi, ça clôt donc la discussion. Ma t'a enfin dit que c'était le grand amour entre Rosaire Lévesque et elle. Je me trompe? Pas besoin d'être la tête à Papineau pour se rendre compte d'une affaire pareille. Si le monde devait s'en aller, là... Toi, non, Génie, je veux plus rien entendre là-dessus. Toi-même, tu dois avoir un masque de pain sur la planche à t'occuper. Puis là, ben, je parle pas juste ça par rapport à tes sculptures. C'est quoi encore le ravaudage? Ben, à moins que je lise mal d'un signe que je reçois, Benjamin s'épivarderait, puis pas précisément de ton bord. Désolée de te contredire là-dessus. J'ai pas de problème avec Benjamin. C'est donc pas fin de ta part de passer tes frustrations par devers moi. Tu devrais les orienter à bon escient, c'est-à-dire vers Ma puis Victorienne. Allô? Comme tu vois, je suis encore à la boutique de forge. J'ai moins en moins de raisons de ne pas m'y retrouver, par exemple. T'es gentil, Benjamin. Et à tantôt. Et moi aussi, je t'embrasse. Si t'as des choses à tirer au clair avec Benjamin, là, t'as qu'à venir avec moi en boutique de forge. Tu sais bien que je farçais dans le fond. Pour retrouver tes créatures de fer, tu t'en vas pas dans la bonne direction, là. Je suis pas à l'aise avec le linge que je porte. Tant qu'à me battre avec pour le reste de la journée, je suis aussi bien en changer. Ah ben, évidemment. Bon, avant d'aller retrouver le quoi qui rend chaud ce solage dehors, voyons voir si je vais finir par comprendre quelque chose là-dedans. Encore l'enfer à l'intérieur, comme hier. Madame Rioux sera pas là aujourd'hui, puis ça paraît déjà. Tant qu'à part notre temps, on sera aussi bête de s'en aller sur la montagne dans notre cabane. On va se retrouver toute la journée dans le super plate par-dessus la tête, avec une professeure qui sait même pas de quoi elle parle. Ça se passera pas comme ça, certain. Je m'en occupe. Où c'est que tu vas? Voir le directeur. Pourquoi faire? Quand je vais revenir de son bureau, vous le saurez bien. Non, on t'accompagne. C'est pas la peine. Que ça soit pas la peine ou bien contraire, on va voir le directeur avec toi. Vous êtes assez collant des fois. Non, mais c'est pas de ma faute à moi non plus, la température t'a forcé à coucher à Matane puis que tous tes rendez-vous ont été reportés plus tard aujourd'hui. Ben oui, mais comment tu voudrais que je le prenne dans l'autre main? Non, si tu as des messages à faire à Philippe, tu t'adresses à lui directement. Non, moi, je serai pas le paquet police de tout le monde cet matin. C'est ça. Tu devrais prendre ça plus slack d'un cordeau. Prends ça comme ça vient. Pas de ma faute à moi si tout le temps tu croches. Commencez avec ta mère. Tu cherches peut-être des puces, c'est qu'il n'y en a pas. Les conseils que tu me donnes, on tient pas boutique de forge. On se grille d'une robe, d'une cornette, puis on évangélise. Mélina passe sa journée au quartier général du Parti des régions. Ça te démalisserait peut-être de te retrouver avec elle. Quoi, grand-chose de solage, oh? Dans les yeux, t'es ce qu'il a fait. Après ça, on m'en va à quincaillerie, moi. T'es là quasiment tous les jours depuis quelque temps? Si je suis là, c'est parce qu'il faut que j'y sois. OK. Garde-les tes oreilles dans le grain. Mais je suis pas sûr que ça va t'avancer à grand-chose, par exemple. Hein? Bien évidemment. Puis après? J'ai presque fini. On va m'occuper du reste. Il y a plein de madriers qui t'attendent à quincaillerie. T'as une affaire de quelques minutes. Ah, donne-moi ça. Et moi seul ankylosé. De mettre un peu d'huile dedans, ça fera pas tort. C'est comme vous voulez. Quand t'es valet, c'est pas toi le seigneur, hein? C'est ça.
pas bon pour toi de pelleter, donne-moi ça. Quand j'aurai besoin aussi bien de tes conseils comme ton aide, je te le ferai savoir. Si tu tiens tant que ça à te retrouver avec une crise cardiaque continue, t'es bien parti. Boutique de forge, je t'attends. Vas-y donc. My God, la machine est plus gelée que je pensais. Je vais pouvoir la réchauffer pour la peine. Après matin, j'ai besoin de rien d'autre. T'aurais pu te dispenser de mettre ça dans le paquet. Ça commence mal la semaine, je trouve. Ah, c'est pas un sondage bien crédible. Ça n'a pas vraiment de valeur. Le problème, c'est que ça a été publié dans l'info dimanche. Si on continue à faire une campagne de rattrapage, on sera pas rendu bien loin le jour des élections. Les votes, j'en aurais même pas assez pour racheter mon dépôt. Quand on commence, c'est toujours mieux d'être considéré comme négligé. Parle-moi pas de commencement, là. Ça fait 2 ans qu'on se décarcasse pour informer la population. Là, c'est ta job de trouver des idées pour amener le monde de notre bord. Ben là... Non, mais c'est pareil pour toi. T'es tout le temps plein de belles théories, mais quand on arrive avec elles sur le plancher des vaches, ça donne jamais des enfants bien forts. Je te l'ai dit tantôt en politique qu'il faut avoir l'esprit du marathonien, pas celui du coureur de 100 mètres. Oh, c'était seulement des quétaineries de ce genre-là à me débiter, moi, je vais aller couper du bois ailleurs. Oh! Vaudrait peut-être mieux que tu jettes un coup d'œil à ça. C'est ton horaire pour la journée. 10h, visite Villa des Basques. 11h, maison Élisée Rioux. 11h30, assemblée de cuisine au centre d'accueil. Alors, la plupart de ce monde-là ira même pas voter. Ça a été le cas pour les élections précédentes, mais si on fait aller l'archette du bon bord... C'est correct, j'ai compris. À part les faire trempettes dans toutes les mouroirs du comté, là. As-tu d'autres choses sur le menu? J'avais peur d'arriver trop tard pour voir ça. Salut. Allô. Je me préparais justement à le mettre dans la caisse pour la voyage Judith Cohen à Montréal. Hey. À cette heure que c'est fini, t'en penses quoi? Mais c'est à Kakuna que ton golem devrait se retrouver, pas à Montréal. À Montréal, c'est pas l'espace qui va manquer pour ma créature. À Kakuna, peut-être que personne ne la verrait. Quoique, il paraît qu'il y a pas mal de trafic par là ces temps-ci. Ben, à part les ouvriers, il y a pourtant pas grand monde qui passe par Kakuna. Même pas Samuel ou ben Philippe. J'aurais dû deviner que ta question, c'était pour eux autres. J'ai raison de la poser ou pas? Tu le sais que Samuel trouve sa mec de son goût. Hein? À moins que j'ai les yeux dans la graisse de rôti. C'est le cas aussi pour Philippe. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment sa mec navigue là-dedans. Ben, pour le moment, je pense pas que ce soit quelque chose qui la touche vraiment. Là. Si on va arriver à temps pour le printemps prochain, c'est pas l'ouvrage qui manque à Kakuna. Hein? Je vois pas le rapport avec la besogne que vous avez là. Puis le fait que Samuel puis Philippe tournent autour de sa mec. Est intéressé ou pas? Ben, pour le moment, je pense que Samuel aussi bien que Philippe perdent leur temps. Sa mec a l'esprit ailleurs. C'est-à-dire? Ben, elle brise par-dessus sa tête dans les recherches qu'a fait ses malécites. Quand elle se retrouve avec un peu de temps devant elle, elle passe dans sa traduction du journal de ma grand-mère. Il me semble que ça fait des mois qu'elle travaille là-dessus. C'est bien long à traduire, cette histoire-là. Tout ce qu'on fait par petits bouts, ça prend du temps. Mm-hmm. T'envoies ça par la poste ou bien par autobus, là? Oh, au parti des régions, un transporteur passe tous les jours. Étant donné que c'est ma journée de bénévolat, on va joindre l'utile à l'agréable. Mais avant, il faudrait passer par chez Charlot. Faudrait que j'assiste au moins à la fin de la réunion qui se tient là. Si t'as pas d'objection, bien sûr. Ben non. J'ai comme qui dirait tout mon temps devant moi. Quand on va aller sur la Lune, qui peut me dire c'est quoi le premier problème qu'on a à résoudre? Ben, il faut d'abord trouver une fusée assez puissante pour traverser l'atmosphère. C'est quoi la raison? Si la fusée était trop petite, elle retomberait sur la Terre. Elle n'aurait pas assez de force pour se rendre jusque dans l'espace. Ça s'appelle la loi de la gravité. Les objets qui se promènent dans l'espace sont attirés par la Terre.
tout le temps avec la même vitesse. C'est pour ça que dans une fusée, il y a des milliers puis des milliers de litres de carburant. Ça prend un énorme poussée pour s'échapper de la tension terrestre. Mais une fois que la Terre est loin de soi, il reste un autre gros problème à résoudre. C'est lequel? Il faut se maintenir dans les airs sans retomber sur la Terre ou sur la Lune. Ça s'appelle rester en orbite, à une vitesse si grande qu'on échappe à toute attraction. Quand on est comme ça, on dit qu'on est en chute libre. Ça signifie surtout qu'on pèse plus rien puis qu'on est en état d'impesanteur. Ça se peut pas, voyons. C'est facile de le prouver, pourtant. Comment? C'est maintenant ce qu'on va voir. Si vous êtes prêts pour l'expérience, bien sûr. Mais pour mieux voir, vous seriez mieux de vous approcher. Je veux bien craindre que les Malécites prennent tout ton temps. Mais c'est pas les ententes qu'on avait. Moi, j'ai rien promis. Si t'as des reproches à faire, parle-en à ma famille, pas à moi. Tant qu'à perdre mon temps, noter tout le temps la même chose, je suis aussi bien d'aller voir à mes affaires par moi-même. Avant de me rendre au quartier général du parti, j'ai des choses à ramasser à Cacaillerie. Quand tu vas revenir de là, on sera au poste tout le monde en train de travailler à pleine vapeur. C'est aussi bien parce que mes limites sont pas patientes aujourd'hui. Si tu continues sur un vil poil des jambes de même, là, Philippe se rendra pas jusqu'au jour des élections. Hein. Il va se payer un burn-out avant. C'est un impatient. Et si tu me donnais vraiment un coup de main pour la peine, ça défriserait peut-être le poil des jambes. Je prends un café avec Benjamin. Après ça, je vous accorde tout le reste de la journée, si vous voulez. Ah, on l'apprécierait tout le monde. Salut. À tantôt. Ben, pour Kakuna, ça sera pour un autre tantôt, si je comprends bien. Le temps de poser quelques pancartes, là. Je devrais pas en avoir jusqu'au jugement dernier. À part ça, tu me dis tantôt au boutique de forge que t'avais pas besoin de compter les heures aujourd'hui. Hein? Mm. Excuse-moi. On va prendre deux cafés. Salut! Allô! S'il y a quelqu'un que je m'attendais pas de voir aujourd'hui, c'est bien toi. On est allé se battre de Kamouraska pour voir le harfang des neiges. Ah, Monsieur Saint-Jean, qui pensionne chez nous au Bic. Oh, Monsieur Saint-Jean, c'est mon père. Moi, c'est Magloire. Mm-hmm. Enchanté de faire votre connaissance. Et vous, c'est quoi votre nom déjà? Eugénie. Mm-hmm. Comment ça se fait que t'es pas au quartier général du Parti des Régions? Je voudrais bien me retrouver là. Sauf que tout le monde n'arrête pas de me donner des ordres qui ne fitent pas pantoute ensemble. On a besoin de toi là-bas pour aller porter au bureau de poste notre documentation. Il me reste une palette à rentrer, là. Puis après, m'y aller au quartier général du Parti des Régions. Ouais, elle vaudrait mieux, parce que c'est pas la journée m'a fait faux bon. Eh oui. J'aurais aimé arriver avant, mais c'est hauteur de Montmagny, c'était quasiment pas passable avec la poudrerie. Damas Corbeau, ministère du Revenu. Damas Corbeau, ministère du Revenu? C'est un gag. J'ai téléphoné la semaine dernière pour dire que je serais là aujourd'hui. C'est drôle. Je me souviens pas de ça. Quand t'es question de vérification, ça arrive que le monde se souvienne pas. À l'intérieur, ça serait plus pratique pour jaser. Mon père est là, il va s'occuper de vous. Pour deux, trois informations dont j'aurais besoin, il vaudrait peut-être mieux que vous soyez là aussi. Si j'en ai pas pour toute l'après-midi, c'est correct. Une demi-heure, pas plus, y'a rien de compliqué. Ben oui, ça fait des lunes que je vous demande ce qui se passe. Ouais, il me semble qu'il serait temps que j'aille de la réponse. Maudite marde! Damas Corbeau, ministère du Revenu. Damas Corbeau. Pas le temps pour les farces plates aujourd'hui. Vous n'êtes pas le seul qui s'étonne du nom que j'ai, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Étant donné que j'ai pas l'intention de m'éterniser chez vous, je proposerais qu'on commence tout de suite. Ah,
Avant, j'aurais une question à vous poser. Si je peux, ce sera avec plaisir. L'enquête que vous menez, c'est à quincaillerie. Moi, j'aimerais savoir si ça serait pas relié avec le fait que je me présente aux élections dans le comté. Il n'y a aucun rapport de cause à effet, ça, je peux vous le garantir. Pour être moi-même originaire de la Gaspésie, je serais plutôt sympathique à l'idéologie que vous défendez. L'idéologie, rien à voir avec le Parti des régions. Nous autres, ce qu'on défend... Hey, nous autres, ce qu'on défend, Philippe, hein? C'est d'abord la quincaillerie. Je suggère donc qu'on commence par ça. Après ça, ben, vous placoterez bien tout ce qui vous chante. C'est quoi exactement le problème qu'on a avec le ministère du Revenu? C'est à moi de faire l'expérience maintenant. T'as juste le temps avant la récréation. Je me souviens plus de la prochaine étape. C'est parce que tu parles tout le temps. Tu serais bien mieux d'écouter à la place. Entre ça, l'élastique de la bouteille, tu mets de la plasticine au bout. Le reste, pas besoin que personne me l'explique. Je le sais quoi faire. Tout le monde peut voir que l'élastique est tout étiré à cause du poids de la boule de plasticine. Mais c'est à cause de la force de la gravité, je le sais. Mais ça avait de se passer autrement, par exemple. Je pense que tout le monde a compris que dans l'espace, un n'importe quel corps flotte parce que la loi de la gravité n'existe plus. Ça sert à quoi de le savoir si on peut pas se rendre jusque dans l'espace? Tu fais toujours l'avocat du diable. Les fusées, ça existe pourquoi, tu penses? C'est quand même pas avec un bout d'élastique, de la plastine puis une bouteille qu'on peut construire une fusée. Les fusées, ça va venir plus tard. Avant, il y a pas mal de choses scientifiques qu'il faut apprendre. J'aurais pas la patience d'attendre 10 ans comme les cosmonautes. On passera une nouvelle expérience après la récréation. Ouais. C'est quoi que tu prépares? Après la récréation, mandoline. Là, il faut que je travaille. Tu joues déjà au professeur qui sait tout. Ça risque de devenir pas mal fatigant avant longtemps. Et si tu veux prendre ma place, je te la donne tout de suite. C'est pas ça que je veux dire. Dans ce cas-là, laisse-moi m'arranger comme je veux avec la suite du cours. C'est correct, j'ai rien dit. Comme d'habitude. Plus collante que ça. Tu manges tes bas sans déplier ton accordéon. T'as pas l'air de me croire quand je te raconte ça. C'est seulement que je trouve que ça fait bien du changement dans ta vie en pas beaucoup de temps. Des fois, on passe des années, comme qui dirait, à côté de la traque, à vouloir embarquer dans un train qu'on peut pas trouver parce qu'on garde pas dans la bonne direction. Puis brusquement, la voie ferrée, ça vient toute seule d'elle-même au-devant de soi. Je peux en parler parce que je vis la même chose. S'il y a quelqu'un qui ne se sentait pas doué pour la spiritualité, c'est bien moi. La spiritualité. Moi, je me demande ce qu'il faut entendre par un mot pareil. C'est rien d'autre que la force qu'on pensait pas qu'on avait en dedans de ça, mais qui est pourtant là aussitôt qu'on vient au monde. Le problème, c'est qu'on veut souvent pas l'admettre. En tout cas, moi, je voulais pas m'en rendre compte. C'est pour ça que... je m'accrochais à toutes sortes de manies qui avaient pas d'allure. C'est pour ça que je jouais à la petite fille malheureuse de son sort. C'est aussi harmonieux que tu le prétends maintenant? Je pensais jamais que ça pourrait l'être autant. Mais dans ce cas-là, tu vas encore m'expliquer quelque chose. Quand ça vient délicat comme ça, moi, j'aime autant m'extraire la corporation de ce que je suis. Je vais aller yeuter le paysage dehors. Pas d'objection. Ah, ben non. On peut se rejoindre au quartier général du Parti des régions, ça fait votre affaire. De là, on repartira pour le BIC. C'est tchikidou pack-sac pour moi. Ben, je suis bien content de vous avoir rencontré. Pareil pour moi. Ah, ben, je serais aussi belle en faire autant, moi aussi, là. On se voit assez peu souvent ces temps-ci. Pas question que tu m'abandonnes. À part ça, tu fais partie de la famille, toi aussi, hein? Y a donc pas de secret dans rien. Ce que je veux savoir de toi, là, c'est pas compliqué. Si t'es aussi bien que ça avec la nouvelle vie que tu mènes, pourquoi tu fais toujours comme si pas existait plus? Je me sens pas encore prête pour me retrouver devant lui et parler de ce que je sens. Il l'entend déjà me chicaner. Il serait bien trop content de te voir. Il sera jamais d'accord avec la nouvelle vie que je mène. C'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est Marie-Victor. C'est lui qui a trompé pas sur toute la ligne, pas toi. Pour pas, ça change rien pareil. Même s'il voulait, il serait plus jamais capable de m'aimer comme avant. Tu te trompes là-dessus. Il serait 2 minutes devant toi qui fondrait tout d'un bloc.
Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ça bourrasque au quartier général du Parti des Régions. Il paraît qu'ils devraient être là depuis une bonne mèche de temps, les gens. En tout cas, moi, j'ai besoin de tout pour faire la job comme elle demande. Benjamin pourrait me remplacer. Je n'ai pas d'objection. Mais non, je parlais pour rien dire. Là. Au quartier général du Parti des Régions, on va y aller tout le monde ensemble. Hein? Tout le monde ensemble, ça veut dire toi aussi. J'aimerais mieux que vous demandiez à M. Saint-Jean qui vient de me prendre ici. C'est déjà quelque chose qui a été décidé. Ça fait que viens tantôt, hein? OK. Merci. Pour quelqu'un qui avait deux, trois affaires à vérifier, on dirait bien que même la journée sera pas suffisante. Pas juste ça à faire, moi, là, le pied de gris ici. Ben, t'es pas obligé de rester non plus. À moins que vous l'exigiez, bien évidemment. C'est tant que j'ai les documents devant moi, je peux me débrouiller tout seul. D'attendre que j'aille fini, ça vous avancera pas dans votre campagne électorale. T'es en plein ce que je pensais par devant moi-même. Ah non, je suis plus là pour personne. Pas grave, c'est pas en fait que je vais me voir de toute façon. Tant qu'à passer dans le bout, je me suis dit que j'étais peut-être aussi bien d'arrêter. Si je dérange, je peux m'en retourner droit là, moi. Il y en a qui dérangent bien autrement. Si vous avez une autre place où je peux m'installer, je suis prêt à lever le camp quand vous voulez. Ah, vous avez commencé à regarder les papiers ici dedans, bien, c'est ici dedans que vous allez continuer. Sauf que vous allez prendre quelques minutes de break, là. Dans la cuisinette des employés, c'est pas le café qui manque, hein. Moi, n'importe où. Ça m'empêche pas de travailler pareil. Non, non, les livres vont rester ici bien tranquilles, sur le pupitre. Il y a déjà bien assez de monde qui mettent les yeux dessus. C'est vous le boss. Moi, je suis pas là pour vous empêcher dans vos affaires. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Moi, je besogne seulement pour le yard. Il me semblait qu'on s'est entendu pour se voir nulle part ailleurs qu'à la maison chez nous. Avec les nouvelles que j'apporte, je pense pas que ça fasse grande différence que ça se passe ici tout bedon ailleurs. Il y a déjà bien assez de monde qui vasouille aujourd'hui sans que t'en rajoutes. C'est quoi les nouvelles que t'apportes, là? Depuis le temps qu'on court après ces affiches-là, j'espère qu'il y en a au moins un que ça va contenter. Ben attendez, vous n'avez pas tout vu encore. Le plus beau, c'est sûrement là-dedans qu'on le trouve. Me semble qu'on a une invitée spéciale aujourd'hui. Les honneurs, c'est Victoriane qui devrait les avoir. J'ai rien contre, mais commence donc par mettre ça sur la table. Moi, j'aimerais mieux qu'on fasse ça ensemble. J'ai pas de problème avec ça. Regarde-moi bien, puis j'y parais. OK. Un, ça va? Il y en a 50 pareilles à celle-là dans le pick-up. On va en avoir pour quelques heures à les installer dans le comté. On va d'abord en mettre une dehors, au-dessus de la porte. Pour les autres, on verra après. Le temps de changer mon poisson d'eau, puis j'arrive. Bien, c'est aussi bien parce que je tiens pas à me geler dehors les bijoux de famille pour rien. Il y a les murs ici dedans qu'il faut placarder aussi. Oui, je m'en occupe avec Victorienne. Ça tente, bien sûr. Oh, tant que M. Saint-Jean sera pas venu me chercher, je suis libre. OK. Pendant que le couac puis moi, on installe la fiche dehors. Et tu donnes un coup de main aussi? Oui, mais avec ça, par-dessus les posters, c'est pas commode, par exemple. On enlève. Alors, vous vous occupez des côtés, moi, je me charge du reste. Mais il faudrait des punaises. Il y en a plein sur le plus petit rapport. Ah, OK. Alors? Hey, depuis hier soir que je me retenais, ça m'a fait un bien énorme en bas de la ceinture. Bon, ben avant que ça descende encore plus bas, là, fouille-toi donc un peu le mot pour le fenêtre. Les nains, là, y a pas de feu nulle part. En plein milieu! C'est la meilleure place. Le soir, là, personne va voir la photo. J'ai prévu ça. Un électricien va venir installer de l'éclairage tantôt, mais pour le moment, c'est le panneau qui est important. Attache-les comme il faut. Je tiens pas à le recevoir sans la tête un bon matin. J'ai tout mon kit de poseur de panneaux. On va te bricoler ça, ça prendra pas goût de tinette. C'est mieux que n'importe quel piédestal, tu trouves pas? Je regarderai ça tout à l'heure. Là, faudrait qu'on discute avant que les autres descendent. Le vérificateur du ministère du Revenu est à la quincaillerie. Pourquoi faire? Devine. Salut! Tant qu'à être là, doublez donc les attaches. Comme ça, on va être certain, tout le monde, que c'est aussi solide que le Parti des Régions. J'en ai entendu des sûrs puis des pas mûrs dans ma vie, mais là, ça dépasse, Jean Nicoton.
Je t'engage pour enquêter chez mon gendre. Tu rentres là-dedans comme une tonne de briques. Oh, tes premiers rapports me donnent tout à espérer. Puis comme quelqu'un qui vire capot, là, tu me remets ta démission. Dans le long comme dans le large, j'ai expliqué pourquoi. Mais y a rien qui tient debout tout seul dans ce que tu me dis. C'est aussi crédible qu'un député en campagne électorale. Quand quelqu'un veut pas admettre la réalité. Avec Victorienne puis Marie-Victor, on n'est pas dans la réalité. Parce que tu veux pas avoir. Hey, tu choisis mal ton moment, tu commences à me tutoyer. On n'a pas engraissé de cochon ensemble. Puis, ça devrait changer quelque chose par rapport à votre fille, ça. Moi, tout ce que je prétends, c'est que j'ai pas d'affaire à aller troubler un ménage qui me semble heureux comme ben peu de monde a la chance de l'être. Au lieu de grimper des rideaux, là, moi, à votre place, je serais content. Ah ouais, ma fille rentre d'une secte, puis je devrais me taper sa bédaine en guise de satisfaction. Si Marie-Victor réussit à te convaincre et à te rentrer dans sa gamique, c'est qu'il est encore plus dangereux que je pensais. C'est pas quand on cherche un sens à sa vie qu'on est dangereux. C'est quand on s'entête pour passer à côté. Au lieu de t'empêter à tort puis à travers, moi, à votre place, je méditerais là-dessus. Mais le bonheur de votre fille, je pense maintenant que c'est ça que vous n'êtes pas capable d'accepter. Sors d'ici. Pas attends pas que je te jette moi-même tu pars dessus tête d'or. Tiens, c'est l'argent que je vous dois. Je vous le rends parce que sinon, ça sera pas honnête de ma part. Dehors! Puis ça presse en cul de côte à part de ça. Je peux encore attendre dans la cuisinette, mais si vous voulez vous débarrasser de moi le plus vite possible, je pourrais peut-être me rateler sa wagon. Venez-vous pas, tous les documents sont là sur le pupitre. Moi, il faut que j'aille prendre une grande bolée d'air avant que toutes les fusibles sautent en même temps. Maudite mort! Amorce. J'espère juste que t'auras pas besoin de t'éterniser ici, parce que sinon, prépare-toi à manger ta gratte trois fois plus tôt qu'une. Je vous apporte chez les Bérubé à Saint-Jean-de-Dieu. Ça laisse pour distribuer à Cabano. Si tu cherches les adresses. Ah, oh, j'ai tout ça dans mon pick-up. Ma ronde de lait, je la connais assez pour pas me faire de tintouin avec. Eugénie, si t'es toujours d'accord pour placarder trois pistoles, c'est pas le matériel qui manque. Mais, si tu m'aides, on devrait pas en avoir pour des heures. Ah, j'ai dit que je passais ma journée avec toi. Du moment qu'on est ensemble, je suis d'accord pour n'importe quoi. Kakuna fait aussi partie du comté. J'imagine que les poteaux doivent pas manquer non plus dans ce coin-là. S'il y a quelqu'un à qui je peux les laisser à Kakuna, je peux me charger de cette partie-là des choses, mais pas plus. C'est faux, je vais monter moi-même à Kakuna pour les poser. Si vous en manquez, gênez-vous pas, j'en ai de reste. OK. Bon. Dommage qu'on n'ait pas d'électeurs à convaincre à Rimouski parce que je te mettrai à contribution, toi aussi. Oh, mais je vais en prendre quelques-unes pareilles. Je vais les mettre à maison chez nous. Oh, ça m'étonnerait que Marie-Victor soit d'accord. Ah, elle va y avoir refusé à cause qu'il faisait partie des témoins de Jéhovah, mais maintenant, c'est un problème qui se pose plus. Votre nouvelle vie, ça a changé tant de choses que ça. Bonjour. Bonjour. Ah. J'espère que j'ai pas mis trop de temps. Ah, ben non. Faire la paix avec sa conscience, c'est parfois plus long qu'on s'imagine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, on verra ça plus tard. Là, il faudrait penser à reprendre le chemin du Bic. J'arrive. Dérangez-vous pas pour moi, je suis même pas un électeur. Fait que ça servira pas à grand-chose, hein? Merci. Bye. Beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye, bye. Bye, salut. Bye. Qu'est-ce que vous avez? On dirait que c'est le bonhomme Satan qui sort d'ici. Même si ça l'était, là, ça vaut pas la peine de s'attarder là-dessus. Non, non. On a sur le dos à quincailler le ministère du Revenu, puis je suis encore convaincu que ça a rapport avec le fait que je me présente aux élections. Bon, pourquoi ton élection, ça intéresserait le ministère du Revenu? Il n'y a aucune raison, c'est ce que je me tue à dire à Philippe depuis tantôt. À force de croire au loup pour rien, faut pas surprendre qu'il finisse un jour par apparaître pour vrai. C'était ton premier cours. Des fois, ça marche pas tout le temps du premier coup. Les choses que j'expliquais, c'était pourtant pas compliqué à comprendre. Avec le monde qu'il y avait devant moi, j'avais l'impression qu'on me prenait pour un martien. L'espace, ça intéresse pas tout le monde. Ça devrait pourtant. Parce que l'avenir est là-dedans, pas ailleurs. Pourquoi tu dis ça? Mais quand tu vas rester pour rien de bon sur la planète, où c'est que tu penses qu'on va se retrouver? Et sinon, dans les étoiles? C'est pas tout le monde qui va avoir cette chance-là. Autrement, ça prendrait bien trop de navettes spatiales. À part ça, il y en aurait bien qui n'auraient pas d'affaires, là. C'est un résultat de la démocratie. La démocratie? C'est quoi encore cette histoire-là? Mon père dit que la démocratie,
c'est quand tout le monde va avoir les mêmes affaires, mais que personne ne veut payer pour. C'est comme quand t'enseignais tantôt. On voulait tout aller sur la Lune, mais il n'y en avait pas beaucoup qui s'intéressaient de savoir tout ce que ça prenait pour s'y rendre. Mais c'est pas plus grave que ça. Sa Lune, nous autres, on ira bien un jour. Et toi-même, tu comprends pas la moitié de ce que je dis quand je parle de l'espace. J'ai pas besoin. T'es une exception comme toujours. Je sais. C'est pas pour ça, pantoute. Moi, j'ai pas besoin de tout savoir parce que j'étais avec toi. C'est comme des navettes spatiales. Comme des navettes spatiales? Ben oui. Là-dedans, il y a le capitaine qui sait tout, puis les autres qui se contentent d'être en amour avec le capitaine. Comme moi. Et quand je fais l'enragé, on dirait que tu fais exprès pour en rajouter. Être capitaine d'un navette spatiale, je te prendrai pas avec moi jamais de la vie. Tu me prendras pas avec toi parce que t'aurais trop peur d'être bain. Vous les hommes, vous êtes tous pareils, peu heureux comme ça, c'est pas un sacrifice. On n'aurait pas de misère à les installer partout en ville. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tout le monde s'énerve tout le temps pour rien. Ben? Qu'est-ce que tu fais là? En train de boire une bière en plus? C'est pas un bon signe, c'est évident. Oh, le vérificateur du gouvernement est à quincaillerie. Pas la première fois que ça arrive? Ben, les autres fois, on n'avait rien à cacher à personne. Là, c'était notre paire de manches. Pour ça, ça tombe un bien drôle de moment. À cause des élections? Non, ça n'a peut-être rien à voir, sauf que ça sent pas bon quand je renifle là-dessus pour la peine. Pour ça, il y a toujours Victorienne, pour qui ça a l'air d'aller plus croche que jamais. Et t'es au quartier général du Parti des régions quand on est parti de là tantôt? Ah, c'est... Mm. Non, il est trop tard de me conseiller de la voie, de reprendre la route du Bic, là, hein? Le Bic, c'est pas au bout du monde non plus, hein? Ça te ferait du bien, là, si tu réglais le problème. Tu sais comme moi que Victoria ne demanderait pas mieux. C'est le message que tu as chargé de me faire. Mettons que c'est ce que j'ai cru comprendre d'elle au travers des branches. D'abord, les voix, sa quincaillerie tombe pas toutes d'un morceau. Et après ça, ben, je vais beau Victoria. Ah, j'ai oublié de te dire, Pam. Dire quoi, là? Il y a un nouveau pensionnaire chez Marie-Victor. Ah, je sais. Mais je peux pas ajouter que ça rien me rend plus optimiste qu'il faut. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est à peu près tout ce qui se passe de ce temps-là quand je m'ouvre le mâche patate. Ça donne rien d'autre que de la queue de poisson. Maudite marde. Ce qui arrive à quincaillerie, hein? C'est peut-être un mal pour un bien. C'est pourtant pas l'impression que j'ai. C'est comme pour une balance. Quand ça pèse trop fort d'un bord, ça remonte de l'autre. Si la quincaillerie fatigue trop peur, j'ai l'impression qu'il va éprouver le besoin de se rapprocher de Victorienne. Mais dis ça parce que ça arrive. On devrait avoir le temps d'en finir avec les affiches. Ouais. Et tresser encore du papier collant. Pour ça, je suis grillé de reste. Juste pour ça. Pour l'affiche, ça serait une bonne place. Scotch tape. T'as fait mon whip, finir de pousser l'affiche. C'est savoir, je suis gré de la réponse maintenant. Il y a quelque chose qui va pas? Oh non, c'est... un petit brin mollasson dans ma corporation, monsieur tout. Faites-vous-en pas pour mon père. T'es encore beau qu'il vous ait reçu à quincaillerie sans grimper d'un rideau. Hey, j'aurais quand même voulu le convaincre de vous voir. Aujourd'hui, ça aurait été encore trop difficile.
aussi bien pour lui que pour moi. Mais demain, ça sera sans doute différent. Moi, je trouve que j'ai réalisé pas mal de chemin aujourd'hui grâce à vous. Moi, j'ai jamais eu d'enfant, mais il me semble que ça serait facile pour moi de m'entendre avec eux autres. C'est parce que vous n'êtes pas un beau chemin. Pour les beaux chemins, les choses sont jamais aussi simples. Ben, soyez-vous. Non, je vais aller m'étendre dans ma chambre. Je veux pas avoir l'air d'un mort vivant pendant le souper. Je peux ajouter quelque chose? Ben oui, quoi donc? Ben, c'est une manière d'aveu. Dans le passé, là, j'ai pas toujours bien agi avec ma conscience. Puis tout ce que je désire à cette heure, c'est de vivre ça autrement, grâce à vous. Merci bien. Merci bien d'être là. Ça fait du bien. À moi aussi, ça fait du bien. Je vais pouvoir passer à travers tout ça aujourd'hui, mais je vais en avoir encore pour au moins quelques heures. Même si je sais que ça vous cause du désagrément, j'aurai pas le choix d'en revenir demain. Il vaudrait peut-être mieux que je m'installe ailleurs. On verra ça demain. Là, je suis juste content que la journée soit finie. Ça continue à vivre dans le vide. Mélinas va être partie à Vauvert avec le Parti des Régions. Si Mélina peut être plus haut, c'est pas la peine d'entrer parce que moi, je m'en vais, là. Elle est en train d'acheter des bricoles dans quelqu'un. Je vais aller la jouer. Avant, on aurait deux ou trois questions à te poser. Ça concerne Damas Corbeau. Il n'a pas fini de s'incruster dans la place si je me fie autant qu'il m'a fouillé d'un papier. J'espère qu'il découvrira rien de croche parce que le premier qui va en entendre parler, c'est toi. Dans ce cas-là, tu peux dormir sous tes deux oreilles. Ton monsieur Corbeau va frapper un nœud après l'autre. Il y a aussi Magloire Saint-Jean qui est apparu dans le décor aujourd'hui. Ouais, je sais. Il est venu m'apprendre qu'il était trop bien chez Victorienne puis Marie-Victor. Faut continuer à enquêter à mon profit. Et quand c'est venu au parti pour amener Victorienne au Bic, Magloire nous a pas soufflé mot là-dessus. Non, quoi, c'est fait qu'il serait vanté devant vous autres d'avoir tourné Kazakh. Déjà bien assez qu'il y a eu l'effronterie de venir me l'apprendre jusqu'ici. Mais tu vas faire quoi par-devers Victorienne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mettre ça dans les mains de la Sûreté du Québec, peut-être? Ah, de quoi vous parlez exactement? De rien qui a de l'importance après 5 heures. Moi, ma journée est finie pour tout ce qui concerne pas juste toi et puis moi. Fait qu'on a de quand d'ici. Mélina, on est censé travailler au parti toute la soirée. Disons qu'il est déjà minuit, docteur Schweitzer. Même évidemment qu'il est déjà minuit, docteur Schweitzer. Peut-être plus que tout le monde le pense à pour ça. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je marmonnais pas, je me rappelais à moi-même une vérité de la police. Rien d'autre. Vous n'êtes pas content de l'enseignement que reçoivent vos enfants? Sortez-les de l'école. Gardez-les à la maison et devenez vous-même professeur à temps plein. Êtes-vous prêt? L'école à la maison, dans 2 minutes, à Angers.